un matelot. Salut, oui, oui. Qu'y a-t-il dans ce sac? Oh, ça n'a pas le moindre intérêt. C'est un vieux loup de mer qui me l'a donné. Il contient de la... drogue. De la... drogue. J'aimerais beaucoup avoir de la... drogue. Tiens, il est à toi. Oh, merci. Mais ça va coûter 10 000 euros. C'est tout l'argent que j'ai. Dans ce cas, je te donne rien, pauvre loser et chômeur que tu es. T'espérais sincèrement que je vais te donner gratuitement comme un gros débile et attardé comme toi? Casse-toi et ne viens plus m'emmerder, pauvre connard attardé, qui ne fait me faire perdre mon temps. Putain de merde, tu me dégoûtes. Non! Non, 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 non! Des crédits, normalement, moi, j'en fais jamais. Mais là, je fais une exception parce que tu connais mon petit cousin Yaya. Merci, Zoran. Mais si je te laisse un délai d'une semaine pour me braquer, regarde-moi bien. C'est une semaine et pas un jour de plus. Une semaine? Pff, tu rigoles! Moi, je fais mon bus ce soir, tac-tac, je l'arque tout dans deux jours, je suis à Santo Rico, moi! Sujetski, chicas, latinas, hey, me raconte pas ta vie, saucisson! Bonjour Mirou, tu ne devineras jamais ce que j'ai dans mon sac. Un gâteau au chocolat? Chocolate? 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 Arrête, Zin, tu calmes! Oh, regarde ce que tu as fait! Ne touche pas à mes... parti drôlement vite. As-tu une poudre pour faire réapparaître Zim? Non. Oh, ça suffit, Zim. Nous ne pouvons pas te voir. Alors... Oh, misère. Ça doit être une... Une poudre magique à éternuer. Et voilà, t'es un fils de... Voilà, t'es un bâtard. Tu te rends compte du truc ou quoi? Que se passe-t-il donc dans le jardin de Oui-Oui? C'est un véritable tatamar. C'est Zim qui fait des sautilles. Je suis contente de ne pas avoir de chien comme... Two hours later. Je ne sais pas comment ce mauvais sort est entré dans votre lit, maman. Nestor, aurais-tu pris l'un de mes sachets de poudre magique? C'est toi qui a ensorcelé ma limonade! Tu n'es qu'un petit... Tu vas t'en parler, bordel! J'espère qu'aucun grain de poudre ne l'a touché. Viens vite, il faut... Sale pute! Sale grosse vache! A few moments later... Mais il faut faire attention avec cette poudre. Regarde. J'espère que ton bâton ne va pas éternuer. Bonjour, gros sac de merde qui sert à rien. Tu devrais te débarrasser de ces sortilèges. Oh, vous croyez où là? Bon allez, videz vos poches, j'ai pas que ça à faire. Hein. Qui ça? Eh, lui là? Ou moi? Eh, eh, regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Ma, vous la jouez comme ça? Ok. Attention,
moments later. Quel est l'habitant du pays des jouets qui s'y connaît le mieux en magie? Ta mère. Later. Que me racontes-tu là? J'ai acheté ce sac à sortilège à Mathurin Matelot. Je te donne de l'argent pour les courses pour ma nièce pour son anniversaire. Et toi t'achètes des tonnes. Pardon, potiron. Aïe! Ah, j'en ai marre de ta gueule. Eh, moi, je vois, moi, tu fais plus les courses, moi, c'est fini. Tu veux aller chercher mes tendors? Ah, ouais, tu sens enculé. Je vais aller chercher du tout. Je suis sûre que Petit Roux a raison de vous... Hey! Mais putain! Ouah! Ouah! Flashback. Oh, regarde. Aïe. Oh. Aïe. Et là, attention. Aïe. End of flashback. Sale grosse face. 1 hour later. Mais il ne te reste plus de sortilège? Non. Oh. Mais si, Mirou, il m'en reste un. Mathurin Matelot m'a dit que celui-ci était très important. Pourvu qu'il remette tout dans le bon ordre. Sale pute! Tu m'as fait renverser mon dernier sortilège. Vite, oui, oui, éloigne-toi. Avant de terminer la vidéo une bonne fois pour toutes, il y a une bonne leçon morale à retenir, et c'est marqué évidemment sur mon papier blanc. Déjà bon, pour l'histoire de la drogue on connaît très bien la chanson, ne jamais utiliser la drogue car la drogue c'est mal, mais là où on sait pas encore c'est surtout que quand c'est magie, car un bout d'un moment, si vous vous servez de la poudre de drogue magie, sans avoir la maîtrise, et surtout sans avoir lire le mode emploi, vous risquez d'avoir des emmerdes comme les flatulences, ou être ivrogne jusqu'à faire pipi devant tout le monde, y compris surtout à vos proches que vous connaissez, et oui, même à votre mère et votre fiancé. Et perso, le véritable coupable de tous les emmerdes, revient à une seule personne, que le coupable vient se dénoncer. C'est peut-être ma faute, Madame Bouboule. Ouais ! Tu n'en fais qu'à ta tête ! Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Bon allez, je me casse, bilou, bye bye.